Work it, make it, do it. Makes us all the better, faster, stronger. Yo les gens, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo astuce gamma. Donc une vidéo qui va consister à vous faire beaucoup de gamma et en utilisant encore des PNJ, mais je pense que ça peut vous faire beaucoup quand même. Donc le but en fait c'est d'acheter des pierres aiguisées. Donc vous voyez bien qu'ils sont à 8000 les 100. Donc voilà. Donc 8000 les 100, on va mémoriser ça. Donc on va aller à Temple Yop, je crois. Donc on va prendre le Zap 2.0. Donc je vous remercie pour les vues sur les vidéos. Les likes, ça commence vraiment à faire pas mal de monde qui regarde mes vidéos. C'est vraiment sympa. Je vous remercie encore beaucoup. Donc cette astuce peut vous rapporter beaucoup. Mais il faut vraiment beaucoup de potes. Parce que moi je sais que là j'en aurais pas assez pour prendre plus de 100. Mais ceux qui ont beaucoup de potes, ça peut leur apporter beaucoup. Parce qu'à moins que vous faites beaucoup de voyages, aller-retour et tout. Mais sinon, voilà quoi. Donc vous allez à la statue Yop. Vous allez voir que vous allez vous faire quand même, je pense, 7... Attendez, parce que c'était 8000, hein, on avait vu. Donc 8000, donc ça peut vous faire 7900, je crois. Moi, je sais plus, on va voir. Parce que je crois que c'est 1 gamma de la pierre aiguisée, ou 10 gamma. Donc voilà, donc bientôt une série Collium, donc normalement prochaine vidéo. Ensuite une astuce Kama qui va encore, je pense que c'est l'astuce Kama qui marche le mieux quand vous faites beaucoup de colis, mais c'est tout le monde croit qu'en fait prendre des galets brasiens apporte plus, mais je peux vous dire que le plus, je vais vous le faire en vidéo, vous allez sûrement le faire après, parce que j'ai le Yop 70 feu. Et le Samadas, donc comme vous pouvez voir j'ai pas mal de colis de tronc, mais je continue puis série qui va être bien. Donc voilà, donc vous voyez le la pierre aiguisée 1 kama, donc pour 100 vous utilisez que 100 kama, donc ça nous fait du, on va chercher à calculer pour que vous voyez quand même, donc 8000 kama les 100, ça nous fait quand même du 7900 et négo. 7900 de négo, c'est pas trop négligeable ça. Parce que si vous le faites par 10, ça fait 79000. C'est vraiment pas mal. Hein. Je peux vous dire que c'est vraiment pas mal du tout. Donc, c'était l'astuce, franchement, vraiment pas mal. Donc, je voulais juste voir, attendez, si les silex sanglants ça coûtait cher. Parce que 5000, on a vu. Donc, voilà. Donc, que voilà, sinon après encore des astuces comme moi, j'en ai encore plein, comme je vous ai dit la première vidéo, j'en ai encore plein à vous montrer. J'ai vraiment beaucoup d'astuces comme moi, même si j'ai pas beaucoup de kama sur moi là, mais j'ai vraiment beaucoup d'astuces comme moi, parce que là en ce moment je fais du colisum, beaucoup de colisum pour mon Telo Samodas qui est niveau 56 actuellement, et XP la guilde avec le Yop. Donc voilà, donc sinon on avait dit des silex en blanc. Donc là aussi vous pouvez vous faire une marge de 5000 kama, donc vous pouvez vous faire pas mal de kama les amis. Ça remonte à les prix par contre. Pierre du craqueleur, ensuite ça vous pouvez le drop, c'est sympa de dropper hein. Donc sinon voilà, c'était les pierres aiguisées, donc 8000, donc vous vendez ça vous fait 7900, donc voilà c'est vraiment pas mal. Ça aussi ça peut vous faire 5000, donc en plus ça prend pas beaucoup de pods. Vous en prenez 10 et vous vendez à 100000 et vous aurez dépensé 50000, c'est déjà ça de négo. Donc sinon encore plein d'astuces Kama, donc je vous remercie encore parce que vraiment j'ai vu ma dernière vidéo 80 vues, en plus ce 3ème. Donc ça fait vraiment plaisir en un jour. Donc je vais vous proposer de plus en plus de vidéos. Bon, cette semaine ça va être un peu compliqué parce que j'ai des trucs à faire. Mais sinon, des vidéos, beaucoup de vidéos. Donc
pourquoi pas faire après sur un autre jeu, mais pour l'instant je me concentre plus sur Dofus car ma chaîne est basée beaucoup sur Dofus. Donc Godrod, oh, ça va baisser, hein. Ça va baisser 150. Alors je l'avais acheté 400 000, je me rappelle. Je vais pouvoir le vendre 500 000 quoi. Je vais le vendre 510 000. Alors c'est quoi ça? 54, deux invocations. Donc bah, je vais retirer ça et je vais les regarder les prix. Donc là, jusqu'à là c'était les silex. Donc voilà. Donc j'espère que cette astuce comme va vous ramener beaucoup de kama. L'astuce avec les boires, et bah moi personnellement ça m'a quand même ramené. J'étais à 200 000, ça m'a rapporté 700 000. J'ai farmé avec le sort, ça m'a rapporté beaucoup beaucoup de kama. Donc bah encore merci pour tous les vues et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. Faster, stronger. Net, 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 that don't kill me. Can only make.